c'est souvent une question qu'on me pose, est-ce que les avis clients sont une menace ou une opportunité? Et j'ai envie de vous répondre, Ariane, les deux. Les deux, tout dépend de la façon dont on les fait. La première règle, puisqu'il y a quatre règles dans la profession immobilière pour se lancer sur les avis clients. Tout d'abord, petit 1, il faut obtenir des avis clients en volume. Il n'y a rien de pire pour les agents immobiliers que d'avoir des avis clients qui soient en faible nombre sur un site internet. Il faut fuir ce genre de choses, puisque c'est ça aujourd'hui qui pourrait drainer une mauvaise réputation. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des avis réguliers. Avoir des avis qui datent et qui ne s'enrichissent pas régulièrement créerait auprès de l'internaute un effet complètement inverse à celui espéré. On pourrait même semer un doute chez lui. La troisième règle, c'est qu'il faut faire aujourd'hui la guerre aux avis négatifs. Il y a trop de forums qui aujourd'hui polluent la profession immobilière sur des avis négatifs, sur des personnes qui s'expriment, et il y a une possibilité aujourd'hui de pouvoir éviter ces avis négatifs. Et la quatrième chose, c'est que les avis clients doivent être impérativement certifiés par un organisme externe qui soit reconnu auprès du grand public. Voici aujourd'hui les menaces et opportunités qu'on pourrait imaginer sur les avis clients. Donc si vous ne respectez pas ces quatre règles, ça devient une véritable menace pour l'agent immobilier. Si vous respectez ces règles, eh bien aujourd'hui, c'est une véritable opportunité parce que la confiance, aujourd'hui, c'est la certitude de faire le bon choix et les avis clients apportent de la confiance.